Bonjour, c'est Igor Bogdanov. Non, c'est Grishka. Ah, ça fait du monde. Et face à Franck Ferrand et Philippe Séguy, Marc-Antoine Lebré en direct. Salut Julie, salut Jean-Marc, c'est là-dessous. Hey, Morandini, c'est moi, Tata Chantal. Regardez-le, dès que j'appelle, il est tout émoustillé. Ah oui, je confirme. Je te comprends, Morandini. Je suis comme les rois et les reines dont vous parlez aujourd'hui. Je fascine. J'impressionne, on m'admire. Moi aussi j'ai une tête couronnée qui fait rêver les gens. Et oui, j'ai une couronne à chaque dent. Pourtant, ça m'empêche pas d'éloger tous vos désirs, n'est-ce pas, Morandini? C'est ça. Salut, c'est François Cluzet. Bon, faut arrêter là avec cette passion pour les monarques. C'est quand même juste des gens qui sont nés au bon endroit au bon moment. Ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Mardo. Tout ce qui vous fascine, c'est des gars qui passent leur journée assis sur un trône à rien foutre, avec du personnel qui fait tout à leur place. Vous avez qu'à revoir intouchable. Merde. Qu'est-ce que t'en penses, Omar? Mais moi, je m'en fous de tout ça. Dis donc, Jean-Marc, tu viens plus, soirée? Non, je suis très occupé. On a fait une soirée roi et reine. Mm. Je peux te dire que j'en ai vu passer des gros sceptres. Hein. Oh, ouais. C'est chic. Bonjour, c'est Christophe Maé. Moi, je comprends que les Espagnols soient touchés par le départ de Juan Carlos parce que ça fait mal de vivre sans roi. Mais, heureusement, il y a le fils de Juan Carlos qui va reprendre le trône de son papa. Et oui, en fait, la monarchie, c'est comme mes chansons, c'est toujours pareil. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Qui, magie de l'invention de Graham Bell, vous parle par le truchement de son téléphone portable. Sachez, mon cher Jean-Marc, que des souverains, il y en eut pléthore, que des monarques, on envie à tire-larigot, et que des souverains, on en a connu à l'envie. Mais à tout seigneur, tout honneur, de king de l'histoire, de roi de la chronologie, Jean-Marc, il n'y en a qu'un, et c'est Bibi. Merci beaucoup, en direct, Marc-Antoine, le grand spectacle jeudi, vendredi, samedi au Théâtre Beau à Paris. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.